Ok, les petits potes, nouvelle petite boutique. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et on est parti pour la boutique d'aujourd'hui. On est le 6 avril, si je me trompe pas. Du coup, ah, on a le retour de ce skin. Ah, ça fait un petit moment. Par contre, il existe en pack maintenant. Là, c'est nouveau parce que avant, il était pas en pack ce skin. Ces deux skins-là. Le pack, du coup, qui est sorti saison 8 ou 9. Je crois que c'est 8 plutôt. Le mode des pirates. Moi, j'ai le skin garçon. Le petit skin, ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui l'avaient pas déjà, parce que ces skins-là ont jamais été en pack, ça c'est nouveau. Parce qu'avant, les packs n'existaient pas trop pour les skins ensemble, maintenant oui. Du coup, si vous voulez avoir tout l'ensemble, au lieu de payer 3600 V-Bucks, bon, moi j'avais déjà le garçon, et donc forcément, bah, ça me coûte que 1300 pour ma part. Par exemple, j'ai le skin féminin et sa pioche. Voilà, admettons. Donc, le skin féminin, elle s'appelle Nidsense. Voilà, avec son petit sac à dos, sa pioche, vous faites le bruit. La pioche du mec. Le planeur. Le skin que j'ai déjà, l'embraseur. Je vous rappelle qu'ils ont deux petites customs aussi. Ouais, franchement, longtemps que j'ai pas joué avec ce skin-là. Ah, j'ai presque envie de rejouer là, ça me donne envie de rejouer. Du coup, ce petit skin sorti à. Ah ouais, saison 9. J'avais un doute entre saison 8 et saison 9. Parce que ça faisait un moment que c'était pas sorti. Ça fait plaisir de leur partir retour. Donc, c'est à l'époque où il y avait le futur sur la map. Donc, le petit skin féminin, elle coûte 1500 de custom. Le skin garçon, bien sûr, même prix. 1500 également avec ses deux petites custom. Leur pioche. Alors, 800 V-Bucks et 800 V-Bucks pour planeur également. Plus 500 l'autre pioche. Ensuite, pour ceux qui veulent le retour de la famille Fluo. Voilà, on est dans le Fluo depuis tout à l'heure. Hein. Ça, c'est une boutique fluorescente, c'est pas possible. Du coup, on a le petit skin Terra Fluo, l'un des premiers skins. C'est pas le premier, mais c'est l'un des premiers skins. Sur Fortnite, donc il y a beaucoup de joueurs qui connaissent ce skin ou qui l'ont dans leur casier. Voilà, qui l'ont dans leur casier, ce que je disais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, soit qu'ils le connaissent, soit ils l'ont dans leur casier. De toute façon, tout le monde le connaît ce skin. Voilà, c'est vraiment l'un des premiers. Je vous rappelle qu'avant, les sacs à dos, ils n'existaient pas sur Fortnite. Je vous rappelle encore, donc, elle n'en avait pas au début. Le skin garçon est sorti beaucoup plus tard. Le mitrailleur fluo est sorti à la saison 3, dans la même année par rapport au chapitre 1. Voilà, coûte 1500 V-Bucks. Par contre, celui-ci, et également leur pioche qui est sorti plus tard aussi. Même pas avec le garçon. 1500 plus le planeur sorti encore plus tard. 1200 V-Bucks. Et du coup, on a les skins un peu. Bah, je sais pas comment on pourrait dire. Un peu bonne dessinée, un petit peu. Parce que la DM Custom fait un peu penser à une BD. Donc, vous avez Antea, du coup, 1500 V-Bucks. Avec ses deux petits custom. Plus le Scado, que lui aussi a deux custom. Comme pour le skin, les mêmes choses. Voilà. Un mode bonne dessinée, en mode normal. Le skin Moro, que j'avais décidé à prendre. Parce que du coup, je trouvais qu'il était sympa. Effectivement, que j'ai pas joué avec d'ailleurs. C'est sorti il y a pas très très longtemps en vrai. Donc, par contre, j'aime bien, c'est le sac à dos. Je le trouve stylé. J'adore ce sac à dos. Après, la pioche aussi est pas mal, franchement. 1800 pour l'ensemble, parce que du coup, c'est ensemble la pioche et le skin. Vous avez également la petite pioche pour le skin féminin. Elle est assez pareille de la du skin. Elle coûte 800 V-Bucks avec deux petits custom également. Et le planeur également, du coup, pareil, 800 V-Bucks du coup. Et lui aussi, normalement, il y a deux custom. Voilà, la première et la deuxième. Voilà, tout l'ensemble est en mode bande dessinée. Plus le revêtement pour 300. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet ensemble-là. Voilà. Le retour de ce skin. Ah ouais, ce skin-là, les dates, le gars. Et franchement, c'est l'un aussi des premiers skins de Fortnite. Même moi, je l'ai pas encore. Que j'aimais bien ce skin un peu militaire. Vous savez bien, j'aime bien tout ce qui est militaire. Et dès qu'il y a un skin militaire, j'ai très envie de l'avoir dans mon casier. Il y a un moyen que je craque dans cette journée celle-là. Peut-être que vous trouvez qu'elle est simple, mais sachez que ça, je l'ai voulu à l'époque. Et comme c'est un skin qui sortait très peu souvent en boutique, et pourtant je fais la boutique depuis 2018, hein, je sais très bien qu'elle est sortie très peu de souvent. Ils ont une quand même. Ouais, c'est l'un des premiers skins de Fortnite. Hein. Elle est pratiquement arrivée dans la période où il était en fluo, etc. Ou certains skins que vous connaissez peut-être qui sont les plus rares du jeu et qui sont jamais ressortis. Donc peut-être que vu qu'elle est sortie, ah, peut-être qu'il y a des skins de un jour qui en sortiront. Et, par exemple, la Recon Expert, tout le monde sait que le nombre de jours que tout le monde a attendu de la voir. Et maintenant, tout le monde quasiment l'a dans leur casier. Ou du moins, l'a vu en boutique, j'ai envie de vous dire. Il y a moyen que je craque d'ici la journée ce skin. Ensuite, également, le petit skin Starlet. Elle aussi, ça fait un petit moment. T'es pas sorti. Bon, c'est pas trop mon genre de skin, mais je sais qu'il y a Mina qui aime bien ce genre de skin. Elle est très très rose à mon goût. Mais voilà, c'est une autre couleur, peut-être que j'aurais aimé, vous voyez. Mais c'est un peu trop rose Barbie pour moi. Mais du coup, elle coûte 1200. Vous avez également le planeur, qui n'a aucun rapport avec le skin. Parce que ça va même pas avec ce skin-là, normalement. Le planeur, du coup, qui a que le skin, je crois. Féminin qui avec une cravate un peu PlayStation, il me semble, si je me trompe pas,
J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Bison et Bob, du coup, pour se procurer la baguette enchantée qui n'a aucun rapport, qui va avec le skin ancien. Du coup, je sais pas pourquoi il y en a dans la boutique, les gars. Bison et Bob, il y a un petit peu de tout là dans cette boutique là. Vous avez du coup la pirouette de retour aux boutiques encore. Ce qui était ressenti il n'y a pas très longtemps, il était revenu en boutique il y a à peu près un mois déjà, je crois. Bison et Bob, main de jazz pour 200. Et du coup, on est bon. Ensuite, on a toujours tout ce qui est disponible à rapport à pack. Donc, je vais pas vous remontrer parce que de toute façon, vous voyez, c'est les mêmes choses. De toute façon, je vous remontre comme ça. Tout ça, c'est pour ceux qui voient ce qu'ils ont quelque chose de précis qu'ils voulaient. Ils sont encore disponibles pendant un mois. Je pense toute la semaine, à mon avis. Et bien sûr, le petit club de Fortnite de ce mois-ci, juste au mois de mai, il sera disponible. Après, bien sûr, au mois de mai, il y aura un autre. J'espérons que ce sera un skin garçon, genre qu'il fasse fille garçon à chaque fois. Ça sera pas mal. Ça sera pas toujours la même chose. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Rushez bien. À demain. Bye bye.